Est-ce que quand les magasins indiquent 1 kilo, c'est vrai? Eh bien, pour le savoir, tu as deux options. Soit tu stoppes maintenant cette vidéo et tu cours dans le magasin le plus proche de chez toi afin de le vérifier par toi-même, ou alors tu regardes ce nouvel épisode des Étranges Expériences. Salut, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une éventuelle supercherie. Il y a quelques temps, j'ai vu une vidéo qui a circulé à peu près partout sur les réseaux sociaux d'un type qui se filmait dans une grande surface et qui prenait des produits pour vérifier les mentions indiquées sur les paquets. Genre, c'est marqué 2 kilos sur un paquet de carottes, il le prend et ensuite il va à la balance. Vous savez, à la balance qu'on utilise quand on pèse nos fruits et légumes dans les magasins. Il pose dessus et il nous montre en direct que le paquet ne fait pas du tout 2 kilos, mais justement plutôt 1 kilo, voire moins. Enfin, c'est vraiment de l'arnaque d'après lui. Et il fait ça avec plein de produits et tout est faux. Il y a énormément de différences. Ouais, ça me paraît un peu fou. Il faut se méfier. Moi, je me méfie. Je me méfie de ce genre de vidéo. Alors pour en être sûr, notre expérience ça va être ça, de voir si les magasins nous mentent ou pas. Vous savez quoi, en plus c'est un truc qui m'a toujours intrigué. Quand j'étais petit, je voyais par exemple des boîtes de bonbons où c'était marqué 20 ou 50 pièces et je me disais, il y a vraiment 50 pièces là-dedans? Du coup, j'ai été faire quelques petits achats dans 3 grandes surfaces différentes. J'ai acheté différents articles pour qu'on puisse ensuite vérifier les mentions ensemble. C'est parti. Bon, on va vérifier un par un les poids et les quantités de ces produits. On va commencer avec ces jolies carottes de ma région. C'est 1 kilo. On va les mettre comme ça, puis on va voir. C'est pas vrai! J'arriverai jamais à les mettre toutes. Attention, suspense, premier article. Eh ben c'est juste, c'est même un peu plus que 1 kilo. Donc ce produit, c'était bien étiqueté. On va rester dans les légumes avec les pommes de terre, 2,5 kg. Cette fois, je vais y mettre comme ça. Il y a déjà une petite différence. Là, c'est marqué donc 2,5 kg. Et là, on n'est même pas à 2,4. Alors, est-ce qu'on laisse passer cette petite erreur, cette petite différence, oui ou non? Non, on laisse pas passer. C'est pas le même poids, effectivement. On va voir les autres. Suivant. Est-ce que ça... Il y a vraiment 500 grammes. On laisse avec le paquet quand même. Hein. Il y a 500 grammes, ouais. Une autre marque de pommes de terre pour voir si ce sont les pommes de terre qui trichent ou pas. Là, c'est indiqué donc 500 grammes. On va vérifier. On va laisser avec le paquet. C'est assez léger. On verra. Ça dépend si c'est très faux ou pas. 546 grammes. Eux, ils sont honnêtes. 46 grammes pour l'emballage, ça me paraît correct. C'est bien, c'est bien. Suivant. On va continuer encore avec de la nourriture avec un pain. 400 grammes est indiqué sur l'emballage. Pour le pain, c'est tout bon. Qu'est-ce qu'on a encore? 1 kg de farine, c'est indiqué 1 kg, qui a réellement 1 kg. Voilà encore une erreur, là on n'a pas 1 kg, on a un petit peu moins. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer ou pas? Non, on laisse pas passer. On va le mettre de côté, deuxième produit qui n'indique pas la même chose que sur le paquet. Tester encore de la nourriture, mais un petit peu différente. Des bonbons, une grande marque connue que j'ai camouflée et que personne ne va reconnaître. Je vais laisser avec le paquet. Ouais, on est pas mal. Bien joué les gars, bien joué. Ça, c'est le ticket de caisse. Ça me coûte cher, ces conneries. Alors, on continue avec une célèbre marque de cacao. Comment je vais peser ça? Je pense que si je fais ça, c'est beaucoup trop lourd, évidemment. Ouais, franchement, c'est... On est pas mal du tout, hein. Faut avoir besoin de ça, parce que on va... Et ben voir s'il y a vraiment 250 millilitres dans cette super boisson que tout le monde connaît et que c'est dégueulasse et mauvais pour la santé. Ouais. Ouais, ouais, on est bien. On est bien. On va se tester maintenant, c'est des produits un peu différents. Type. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y en a 24. Alors on va vérifier s'il y en a vraiment 24. Merde. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il y en a 24. Au moins comme ça, maintenant, on est sûr. Suivant. Une boîte de trombone, c'est marqué qu'il y a 40, mais est-ce que c'est vrai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 1, 32, 33, 34, 35, 6, 37, 38, 39, 40. Ah, ils sont trop forts. Bon, il y avait encore un article que j'avais envie de contrôler, l'étiquetage de cette boîte de coton-tige où c'est indiqué 206 coton-tiges, c'est très précis, hein. 206 coton-tiges. Alors, je voulais le faire, mais vu ce qu'on a contrôlé, un peu les différents produits, franchement, ça vaut pas la peine. Je leur fais confiance, on va pas se faire chier à contrôler une boîte de 206 coton-tiges. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah! Merde, je couperai ça au montage. 22, 23, 4, 25, 26, 27, 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 61, 2, 63, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, non, c'était 1, 2, 3, 94, 5, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110, 111, 112, 13, 14, 15, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 6, 37, 8, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 8, 140, 9, 150, 151, 2, 3, 4, 55, 156, 157, 8, 9, 160, 161, 162, 3, 164, 165, 166, 7, 68, 169, 170, 171, 2, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 et 206. Il y a exactement 206 Q-tips. Wouh! Ok, bon bah maintenant, même dans ce genre de choses, quand ils mettent 206, c'est qu'il y en a 206. Bon bah voilà. Bon alors voilà, résultat de l'expérience, quand on regarde dans l'ensemble, en plus il y a des choses qui viennent de multinationales, d'autres ce sont des produits locaux, on se fait pas arnaquer, ça va, ça se passe bien. Il y a juste deux produits, ouais, pas une masse différence, et en plus de ça ce sont deux produits locaux et bio, donc on peut les excuser. J'aurais été très surpris de trouver des énormes différences entre ce qui est indiqué et ce qu'on vérifie, parce qu'il y a quand même des lois, des réglementations et des contrôles, donc c'est un petit peu normal. Je sais pas du tout où le type de la vidéo que j'ai vu est allé dans quel magasin pour avoir des énormes différences, si ça se trouve c'est un fake, il faut faire attention à ce qu'on regarde, oui, mais ça on le sait déjà. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez aller acheter des fruits et des légumes en fermant les yeux, en faisant totalement confiance, à part sur l'origine, regardez bien l'origine, que essayer de consommer du local c'est très important. Non mais sérieusement, hein, là, c'est pas une vanne. Allez, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.